Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 261 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à The Archetype. The Archetype est un jeu d'horreur, il me semble. Peut-être, il est possible. En tout cas, c'est un jeu où on est à la première personne, parce que je l'ai démarré une fois, j'ai commencé à regarder. The Archetype, je sais plus quelle est la traduction de Archetype. Bah, un archétype. Je sais pas si je peux vous donner une définition, sinon allez chercher sur internet. Et donc on est parti. Press Enter. This game was made for 720 ou 1080p. Donc déjà, on sait qu'on aura normalement un joli jeu. On est parti. Alors déjà, la musique qu'on a entendue il y a 30 secondes, c'est absolument rien à voir en termes de style avec ce qu'on entend là maintenant. Et il y a un truc au fond, là. The Mundi Project Game Studios presents. Il me semble que c'était une vieux FPS hein, quand j'ai démarré. Je l'ai démarré ce matin, toujours. Le matin, j'aime bien tester les jeux. Démarrer les jeux que je vais tester le soir. La nuit, je les télécharge. Le matin, je regarde s'ils fonctionnent. Et le soir, je vous enregistre des vidéos. C'est beau. C'est. Par contre, ouais, en fait, c'est juste long. Est-ce que ça joue à la manette? Je ne sais pas. J'aimerais bien avoir un accès que. Alors, start. Ça joue pas à la manette pour l'instant. Chapter 1. Homicide is right. Unless, je sais plus ce que ça veut dire. En tout cas, homicide, je sais ce que c'est. Ouais, con. Vous m'excusez, j'ai les yeux éclatés. Je pense que c'est la seule vidéo que je tournerai aujourd'hui. J'en peux plus. Enterscape. Oh, déjà, regardez le texte en travers, ça donne envie. Hop. Alors on peut se déplacer avec la machin, mais en fait on peut pas visualiser autour de nous et on peut rien faire d'autre. Donc ah si, on peut sauter, mais ça sert à rien. Il me semblait bien que c'était un truc comme ça. Alors fear, despair, libido, envie, sadness, anger, guilt, dépression, solitude, agression, jalousie. Oblivion, c'est que les sentiments qui donnent envie de se faire des câlins. Allez, bah on est parti. Hein. C'est un jeu d'exploration donc ou qu'est-ce qui se passe? Mackenzie Castle Designer. Suicide, neurosis, psychologie, homicide. D'accord, donc il y a aussi des envies en haut, hein. Est-ce que j'ai envie de me suicider? Non. Attends une seconde, non plus. Est-ce que j'ai envie de tuer quelqu'un? Est-ce que je peux faire... What the fuck? Ta mère. Oh, il y a ma pire qui, il y a ma fear qui augmente un peu là. Oh putain. Oh putain. Putain, ça fait peur. Putain, le son dans le casque quoi. Ma peur augmente. Oui, c'est exactement ce que je ressens. Est-ce que c'est... Ouah, con. C'est un fucking jeu. C'est une forme de caméra présente sous condition de difficulté de focus. La porte s'est ouverte. Ça me fait flipper. Bon, le texte m'a cassé un peu ma peur là. Mais est-ce que les trucs en bas, c'est ce que je suis censé ressentir? Putain de fils de pute. Niama. Ah ouais, ça pue. J'ai peur. J'ai pas envie d'aller plus loin.
Il est 7h10 AM. Et je peux pas sortir? 7h20. Ça vient d'où cette lumière? C'est vraiment la lampe qui fait ça? Oh putain. Oh putain, la porte est ouverte. Ouh, je commence à être désespéré. Putain, y a tout qui fait peur, j'ai l'impression que le son est... Press H to hide the HUD. Alors, pour avoir beaucoup joué à... Comment ça s'appelle? À Unreal Tournament, on peut cacher donc le HUD. Revenir ici, c'est plus rassurant. Enfin, je crois. Oh putain, on peut monter là aussi. Ah non, on peut pas. Ça commence à aller mieux. Ça commence à aller mieux. Allez. Putain, j'entends vraiment des bruits chez moi. Ça me fait peur. My mom always painted suck as thing. Sad thing. Sad things. Des trucs pas bien. Trucs sales. Des trucs tristes. Ma mère a toujours peint des trucs tristes. Putain, ça fait flipper chez moi. Alors que c'est juste un jeu, quoi. Merde. Ce jeu marche beaucoup mieux que The Tape, hein. Je vous ai fait une vidéo sur The Tape il n'y a pas longtemps. Et ce jeu fait beaucoup plus peur que The Tape. Ne serait-ce que... Alors qu'il n'y a pas de zombies, rien pour l'instant. Putain, j'ai eu peur. Sadness, plus plus. Sadness, c'est quoi? C'est de la tristesse, non? J'aurais pas dû mettre mon casque, c'est le genre de jeu qu'il faut pas mettre le casque pour jouer, putain de bordel de merde. Putain de bordel de merde. Je suis revenu au niveau du couloir, ok génial, on revient en arrière. Sadness plus plus. Je sais pas ce que... Ouais, pourquoi tristesse? Pleure sa mère l'autre. 8h20. Le temps passe au passage. Hein. Donc il y a deux réalités différentes dans ce jeu. C'est d'une part le temps qui passe pour de vrai et d'une part l'endroit où vous allez. Il y a au moins deux choses complètement différentes dans ce jeu. Enfin, qui avance de manière différente. Ok. Admettons. Admettons, admettons. Did mom love me like she loved him? Je sais plus ce que ça veut dire. En gros, est-ce que... Mom love me like... Est-ce qu'elle, ma mère, m'aimait comme elle l'aimait? Ok. Est-ce qu'elle, oui. Alors, papa buvait. Ou boit, je sais plus. Bitch. Mon dieu, en fait, elle a des alus, en fait. Mon personnage, il a des putains d'alus, je crois. Jalousie plus.
J'imagine que jalousie. Jalousie. C'est de la jalousie. Oh putain. Je sais pas si c'est censé me faire peur ou pleurer en fait. Parce qu'elle fait que de pleurer, regardez Sadness. Pleure sa race l'autre. Est-ce que je suis censé avoir des screamers, des visions d'horreur? Pour l'instant, il n'y a pas de fantômes, il y a surtout des. Comment ça s'appelle? Des alus. Je pense. Après, la maison est un peu dégueulasse aussi. Encore Sadness, allez, triste toi, allez. Je vois pas comment ma libido peut augmenter par contre. Hein. C'est peut-être le truc qui me fait le plus rire des éléments là, c'est la libido. Pourquoi? J'ai comme l'impression qu'il y a un décalage entre ce qui se passe. Ça l'a fait exprès. Alors regardez-moi cette peinture dégueulasse quoi. Qu'il y a un décalage entre le son et ce qui se passe. Anxiété. Anxiété, je sais plus ce que ça veut dire. De l'anxiété, c'est quelque chose qui. Ah! Mais on peut interagir avec les objets. Call Robert. Hello. 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 Who is this? Archie? Archie, just leave him alone. Ok, ta sœur. Je savais pas que je pouvais interagir avec les objets. J'aurais peut-être raté les trucs depuis tout à l'heure, je suis con. Du coup, là, d'un seul coup, j'ai moins peur. Bon, bah, en fait, non, je peux pas aller là. Bah, il faut que j'aille où, en fait, sans déconner. Peut-être là-haut. Ah ouais, là-haut. Oh ouais, là-haut. Il est 9h30 du matin. Et à un moment, la journée est censée se lever, à un moment donné. Pour l'instant... Mal barré. Ah, con. Qu'est-ce que c'est que ce putain de truc qui bouge au fond? Ah, ça sent le screamer, ça sent le screamer, ça sent le screamer. Non, c'est un screamer qui se barre. 9h40 du matin. Mais putain, sans déconner. Ah non, attends, c'est... Oui, si, si, c'est le matin. Ah, mais on est d'accord. Si je prends la hache là, non? J'ai vraiment un problème, je crois. Il y a des bruits chez moi. En fait. Pour de vrai. Ça fait peur. Putain, il n'y a personne. Il fait toujours pas le jour. Il y a un petit problème. Ça pue le screamer. Ça pue le screamer. Deezer. Deezer, Deezer, Deezer. Là, je recommence un peu à avoir peur là. On redescend, il y a un peu de lumière quand même, sans déconner. Anxiété. Je sais pas qu'est-ce qui se passe si tout monte en fait. On peut pas les toucher tout ça, on est d'accord. Hein. Où c'est qu'il faut que j'aille? On va remonter là-haut. La fille qui se balade toute seule dans sa maison. De bien se faire chier quand même. Sadness. Donc Sadness à chaque fois qu'elle passe devant une photo de l'autre. Hein. Je pense que là on va se retaper un Sadness dans 3, 2, 1. Ok. C'est quand elle voit les photos. Ok. Donc en gros, il y a une logique dans ce jeu. Ce qui n'est pas donné à tous les jeux d'épouvante. D'épouvante de ce délire là. Ah, je retourne ici. Qu'est-ce que je vais voir?
Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Ah, elle est triste. Putain, pourquoi t'es triste, sans déconner? Bah, suicide à force. Ça fait peur. I'm not giving up on us. I love you so much. Your sadness and jealousy increased. Close up in. Ah, c'est le genre de truc pour ce... Hein? Alors la souris, c'est pas évident de la contrôler en fait. Je sais pas si vous avez vu. Oh putain, je peux voir à l'envers. What the fuck. Oh putain, une arme. Attends, donc je vais enlever le HUD là. Not a toy. Ok, une arme, si je veux me suicider, c'est pas mal. C'est bien de le savoir. Mais c'est bien de savoir qu'on peut interagir avec les objets. Alors, jalousie. Mais pourquoi de la jalousie? Pourquoi de la jalousie? Je... Ah, on voit quelque chose là. Ah, mais Léa, le père complètement bourré. Oh putain. Oh putain, il me tape dessus sans déconner. Fils de pute. Je me fais courir après par mon père complètement bourré. Tu crois qu'il faut que j'aille dessus? Coucou papa. Papa? Tu veux un bisou? Tu veux un câlin? Handicapé. Il va me suivre partout, vous croyez? Merde, comment je fais moi avec ce putain de boulet? Ok, il fait pas beau dehors, c'est peut-être pour ça qu'il fait nuit. Qu'est-ce qu'il fait? Ah mais il me frappe, il me tape ma gueule en fait. C'est juste qu'il était un peu handicapé par le couloir. Il a presque envie de me taper je crois. Et j'en fais quoi moi de ce putain de boulet là? Faut le tuer ou... Qu'est-ce qu'on en fait? Ok. Bah je suis mort. Voilà. Mon père m'a tué. Et bah c'est un jeu intéressant. C'est un jeu intéressant. Je pense qu'on va s'arrêter là pour le test. Mais c'est un jeu intéressant. Je sais pas trop par contre jusqu'où on peut aller. Il doit y avoir des trucs à découvrir parce que là la maison... Bah on a un habituel tour, donc je pense qu'il aurait fallu que je revienne sur mes pas là où j'étais tout à l'heure, tout début. Et peut-être que j'aurais eu d'autres choses, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, bah c'est sympa, c'est une ambiance glauque. C'est mieux que The Tape, je trouve que c'est beaucoup mieux que The Tape, ça fait plus peur en tout cas. Et puis on a tout le panel d'émotions qui est vachement intéressant parce qu'on... C'est comme si on était dans la peau de la fille quoi. La fille, elle voit des trucs tristes par rapport à sa famille, par rapport à sa mère ou je sais pas quoi. Son père qui la frappe, mais en fait son père c'est pas un fantôme puisqu'il est toujours là et puis en fait c'est lui qui vient nous tuer donc bah voilà. What the fuck.
Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer. Si vous n'aimez pas, n'aimez pas. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de ce jeu, si vous y avez déjà joué, et si vous allez y jouer. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut !